Bonjour Céode, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre tutoriel pour réaliser un classeur qui peut servir d'agenda, d'album, c'est la structure de base. Moi je vais donc en faire un planeur et il y aura donc une troisième vidéo pour l'intérieur. Nous avons fait en première partie la couverture avec sa décoration et la petite poignée pour pouvoir glisser plus tard un bijou d'album et le changer à volonté. Aujourd'hui, nous allons faire l'intérieur. Donc, qui se présente comme ceci, avec deux pochettes ici. Donc, il y en a une dessous et une dessus. Elles sont en quinconce. Ainsi qu'ici. Et la même chose de l'autre côté, mais dans l'autre sens. J'ai aussi fixé le mécanisme. Je vous laisse avec donc la suite du tutoriel. Pour réaliser ces deux pochettes, j'ai donc fait mes supports. D'ailleurs, vous avez sous la vidéo un fichier PDF. Donc, vous pouvez, si vous voulez, les imprimer pour les garder quelque part, pour les avoir en mémoire. Car en fait, je les ai faites à main levée. C'est pour ça que j'ai mis les mesures après. Vous pouvez aussi le faire par vous-même avec vos propres mesures, cela pose aucun souci. Le principe d'abord d'avoir deux feuilles de la collection qui mesurent 18,5 par 14 cm. Donc vous choisissez vos deux feuilles, vous les découpez et vous venir ici ensuite. La première, les pochettes vont venir comme ceci. Voilà. Et l'autre vient ici. Donc en fait, nous avons une grande pochette là et une grande pochette là et on a cette forme là. Je n'ai pas fait de pattes de collage de ce côté. Les pattes de collage viennent au dos et mesurent 1,5 cm approximativement. Et la deuxième vient par-dessus. Donc je vous conseille de faire votre rectangle. J'ai mis les mesures sur la feuille. Je vous la mettrai aussi en incrustation. Vous mettez votre feuille. Vous marquez votre pli, vous pliez. Vous marquez votre pli, vous pliez. Et vous faites pareil avec l'autre. C'est-à-dire que vous marquez votre pli et vous pliez. Parce qu'il y a l'épaisseur de la cartonnette qui va vous gêner. Si vous faites comme moi j'avais fait au début dans mon gabarit, vous allez vous retrouver avec comme ceci. Donc c'est gênant, vous avez des doubles plis pas très jolis, donc je vous conseille de faire comme ceci. J'ai aussi coupé cette patte de collage là, vous voyez, pour éviter les surépaisseurs. Ici je n'ai pas pu tout couper, il me faut bien un morceau, mais j'ai découpé pour que ici il n'y en ait pas trois dans l'angle. Voilà, si pour les pattes de collage. Ce que je vais faire maintenant, c'est recouvrir celle-ci de tissu. Il me reste un morceau de tissu du kit. Moi, j'ai recouvert d'encre. C'était uniquement, j'ai ancré les bords uniquement pour pouvoir vous faire le scan. Donc je vais tenter de faire une ligne de couture comme ceci et avant de faire la ligne de couture, je vais juste coller le tissu sur les pattes de collage. Maintenant, je vais faire ma ligne de couture. Voilà, ma ligne de couture est faite. J'aurai plus qu'à couper aussi les angles du tissu pour qu'il ne gêne pas. Et comme hier, je vais mettre le fil à l'arrière.
Et le crayon, j'ai juste passé un petit peu de gomme, étant donné que c'était du crayon pour le tissu, il s'est très bien effacé. Ceci, vous pouvez aussi directement les faire avec vos papiers de collection. Je voulais vous proposer un gabarit, c'est pourquoi j'ai fait sur un carton. Et comme il y a assez du tissu, c'était pour que ce soit plus épais. Donc je vérifie toujours. Maintenant, je vais coller un papier ici. Et je vais faire une ligne de couture ici et ici. Une ligne de couture ici et ici. Et maintenant, je passe à l'assemblage. Avant d'assembler, je vais voir si je ne mets pas plutôt un peu de décoration ici avec de la couture comme une étiquette par exemple. J'ai cousu un simple tag de deux côtés de manière à avoir également encore un petit emplacement pour y glisser un petit papier. Il ne me restera plus qu'à la coller ici. Et maintenant, on va faire ce côté. Pour le second dos de couverture, j'ai décidé de faire exactement le même principe, sauf que cette fois, je vais les mettre horizontalement et non plus verticalement. Donc, je vous ai encore scanné et donné des mesures approximatives, car comme je vous ai dit, moi, je fais en direct. Donc les mesures sont approximatives, c'est pour vous donner une indication. Pareil, j'ai découpé dans le même papier que tout à l'heure un morceau qui viendra ici et qui sera aussi cousu ici sur trois côtés. J'ai aussi préparé donc un deuxième morceau comme ici. Pareil, il est scanné, je vous mettrai en incrustation dans la vidéo. Et aussi dans la barre d'infos, il sera à télécharger, c'est un format PDF, de la même manière que l'autre. Donc il y aura un seul PDF pour tous les fichiers dessus. J'ai aussi prédécoupé un morceau de tissu et je vais faire pareil, une couture sur les quatre côtés de la même manière qu'ici. J'ai déjà préparé une petite étiquette avec le même morceau de tissu que j'avais devant, c'est-à-dire un morceau de lin. Avec, c'était un onglet de la collection que j'ai séparé pour faire une étiquette et je viendrai le mettre ici. J'avais déjà cousu à l'avance pour vous montrer, mais j'aurais pu très bien le coudre directement après ici. Là, je vais uniquement le coller car il y a déjà mes deux coutures. Donc, je vais faire ça en musique. Je vais vous laisser en musique avec la suite.
Comme vous avez pu voir, j'ai déjà marqué, c'est les mêmes marques que j'avais fait la dernière fois, donc au centre une ligne et plus ou moins 4, entre 4 et 4 et demi de chaque côté pour le repère qui va correspondre à l'emplacement de mes vis. Je vais faire des trous 3/16. La structure est terminée. Donc maintenant il restera à faire les intercalaires ici. Il y aura donc aussi des fichiers gratuits pour avoir des gabarits par rapport à mon projet. Donc à titre indicatif comme toujours, ce sera gratuit. Donc n'hésitez pas à vous abonner et pour recevoir les notifications car ça m'arrive de temps en temps de partager des fichiers gratuits. Donc je vais laisser sécher ceci et on revient pour une prochaine partie pour l'intérieur.